Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vivre ensemble la découverte du deuxième pack Porsche dédié à Assetto Corsa, disponible désormais sur Steam pour la somme de 6,99€. Au programme 7 bolides issus de la marque de Stuttgart que l'on va passer en revue ensemble. On va passer par deux vidéos distinctes histoire de bien vous présenter tout cela à notre aise. Toutes les informations sont bien sûr dans la description et je vous invite à vous installer confortablement et on part directement à la découverte du premier bolide. Et on libère la première des Porsche et non des moindres, c'est une que l'on attendait depuis longtemps. Voilà, on est à Silverstone sur la version Grand Prix. On va essayer de ne pas finir comme Brendan Hartley en début de saison, c'est-à-dire contre une autre voiture de la marque. On a au programme de belles voitures dans ce deuxième pack qui est pour moi le plus alléchant, même s'il m'en manque encore une qui arrivera bientôt, avec hop, le troisième pack qui est prévu, lui, je crois pour le 20 décembre de cette année. Alors cette fois-ci, pas de contenu supplémentaire ajouté au jeu, il n'y a uniquement, serait-on tenté de dire, que le pack Porsche qui est proposé, pas de circuit ou de voiture supplémentaire gratuite. Alors, on est avec la première des voitures, il y aura donc deux vidéos histoire de prendre le temps de bien tester tout cela. Une voiture que j'attendais vraiment, cette 919 hybride édition 2015 et donc victorieuse des 24 heures du Mans, avec un bruit assez particulier qui est très très bien retranscrit. Surtout en décélération, le bruit très typique de l'hybridation de ces moteurs sur ces LMP1 qui est très bien réussi, ce qui devrait nous procurer d'ailleurs un très bon son pour les autres voitures LMP1 disponibles dans le jeu en mode. Ça fera du bien et on voudra peut-être, si on est sage et qu'on a le temps, vous proposer un comparatif avec l'Audi et la Toyota d'ici quelques jours. En attendant, ça passe bien pour ce premier tour. Ici à Silverstone, on profite évidemment abondamment du KERS qui est disponible sur ces voitures avec des vitesses de pointe hallucinantes. On doit très vite passer les vitesses, hein. Là ça passe très très vite avec 900 chevaux sur le... j'allais dire sous le capot, mais sur l'ordinateur plutôt, avec l'hybridation et l'électronisation de tout cela, pour un poids de 875 kg, donc c'est assez hallucinant. Et le 0 à 100 se fait en 2 secondes 2 et on le sent très clairement dans l'accélération de cette Porsche qui est tout simplement magnifique. Donc première voiture testée au niveau de la réalisation visuelle, c'est toujours du très très bon, hein, dans Assetto Corsa. Les voitures sont, quand elles sont soumises à Kounos, parfaites. Et je vais désormais faire silence et vous laisser profiter un petit peu du son de cette très hybride et particulière Porsche 919 sur cette piste de Silverstone qui est pour l'instant une bonne découverte. La voiture se correspond parfaitement à ce que je pensais, même si je m'attendais à un peu plus de tenue dans les grandes courbes rapides. Ouais, c'était très serré. Et la voiture qui sautille pas mal et qui manque pour moi de passage en courbe pour ces voitures qui sont absolument démentielles, la preuve encore une fois, avec ce freinage un peu délicat. Place à la côte néerlandaise, la mer du Nord et le soleil, ce n'est pas tous les jours. Alors pour fêter l'occasion, on allume les phares, on sort de la pit lane de Zandvoort Park et surtout, on a fait péter le cabriolet, l'un des premiers dispo dans Assetto Corsa avec, et officiellement, hein, avec, ouais, ça glisse, c'est génial, avec la Cobra. Thank you.
Et deux versions de cette Boxster sont proposées, la version S et la version S avec la boîte manuelle. Bon, ici nous, on pilote avec les palettes, on change pas les bonnes habitudes. Alors, une voiture très légère, on sent le train arrière facilement baladeur malgré le 4 cylindres à plat qui est installé à l'arrière. Ce qui répartit évidemment bien mieux les masses, mais ça ne l'empêche pas de glisser. Par contre, il y a un sous-virage assez important, puisque je vous le disais, les voitures sont réglées en version classique. On n'a pas fait de modification. Assez lourde hein, pour un cabriolet. 1,3 tonne pour 350 chevaux. Vous voyez que ça part. Ça revient même, mais bon, c'est un petit peu basique, je trouve, pour le coup. Elle n'est pas très... très attentionnée envers nous, avec ce train avant très très dur à placer. Elle est assez banale, malheureusement, dans son comportement et sa vision. Je trouve pas que ce soit un add-on vachement intéressant dans sa catégorie. Mais bon, pourquoi pas. Ça va sûrement plaire aux vrais fans de Porsche, ce qui est avant tout... ceux à qui s'adresse cette extension Porsche. D'ailleurs, au passage, Assetto Corsa a étendu son partenariat avec la marque de Stuttgart, puisque en Allemagne, un centre de simulation Porsche a ouvert avec que des bornes placées sous Assetto Corsa avec ces voitures-ci. Alors, le 285 en bout de ligne droite, on ne l'aura pas ici à Zandvoort, on est à un petit peu moins. Mais elle est jolie, certes, mais personnellement, je n'ai jamais été un fan de cette Porsche Boxster depuis sa sortie. C'est un modèle que je n'ai jamais apprécié, esthétiquement en tout cas. Bon, l'avant, ça reste proche d'une Cayman, évidemment, mais moi, je n'ai jamais vraiment aimé l'arrière de cette voiture qui a toujours été pour moi bâclée ou un enfant qui avait dessiné, bref. C'est peut-être ce qui influence aussi mon avis sur... Oh non, ça s'ouvre sur son comportement, mais non, voilà, je suis vraiment, vraiment pas fan. Après, au niveau du bruit, ça reste du classique. Je vous laisse profiter d'ailleurs de ce bruit en vue extérieure. Troisième bolide de ce pack Porsche. On est du côté de Barcelone sur le circuit de Montmeló avec eh bien la Porsche 911 GT1 de 98 qui a fait son apparition en sport auto en 96. Alors, qu'est-ce que ça donne pour l'instant? Pas mal de survirages dans les petits virages en sortie. On a vu ça à la sortie du premier S. J'ai clairement pas confiance en la voiture. C'est une sensation assez bizarre. J'ai le train avant... Voilà, oui, voilà. J'ai vraiment une sensation de train avant très hésitant. Alors, de nouveau, hein, dû au moteur arrière de ces voitures. Pourtant, celle-ci n'a pas du tout le même rapport poids-puissance que la Porsche Boxster d'il y a quelques secondes. Ici, on a un poids de moins d'une tonne, à 950 kg pour 600 chevaux. Donc, ça n'est pas du tout le même rapport poids-puissance. Et une vitesse de pointe qui était assez hallucinante. On allait à quasiment 370 dans les unaudières avec cette voiture. C'était assez hallucinant. Ici, je crois qu'on est sur 340, 330, 340, je pense, dans les specs. Faudrait aller voir dans le jeu. Oh, les freins! Oh, je rate la corde. Non, il y a vraiment
beaucoup de difficultés pour cette voiture à s'inscrire dans les courbes de basse vitesse, voiture qui pour moi restera symbolique d'une image, c'est au 24h97 je pense, où eh bien, il y avait les deux voitures de tête qui ont pris feu, celle-ci et c'est catastrophique, et la McLaren Golf dans la ligne droite des Inaudières, les deux voitures ont pris feu genre à 10 minutes d'intervalle je pense, ou un quart d'heure. C'était assez marrant. Alors là, il y a de la lumière qui est passée au-delà de la bande de pare-soleil. C'est assez horrible comme glitch. Comparé à ce que nous habitue d'habitude à Assetto Corsa, c'est rare d'avoir un bug de texture comme celui-là. Ce sera certainement patché. Parce que je vous le rappelle, on est en version 1.10. On va profiter un petit peu, après ce premier tour, de la vue extérieure, grâce à la magie du montage, de cette Porsche qui, pour moi, ressemble plus à un prototype vraiment qu'à une voiture ayant fait de la compétition. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression qu'on a tuné, boosté une 911, et c'est une sensation assez bizarre. Je vous rassure, c'était le cas de toutes les GT1 dans les années 90, avec les fameuses compétitions BPR qui étaient absolument terribles dans les années 94 et 95, avec des F40 boostés dans on ne sait plus combien de chevaux. Elle est jolie, elles ne sont pas bien sûr soumises au livret complet, hein. Il manque une partie des sponsors. Vous allez retrouver la 25 et la 26 qui ont couru au Mans, et des copies des indépendantes qui ont roulé notamment pour Tom Walkinshaw, l'homme qui avait fait rouler notamment les Jaguars en endurance. Tom Walkinshaw Racing. Bon écoutez, pour l'instant, c'est pas très agréable à piloter parce que ça demande je pense beaucoup de réglages, ce genre de voiture qui est dans une période vraiment charnière. De la compétition, le début vraiment de l'électronique pour les compétitions à ce niveau-là, et ça donne quelque chose d'assez Frankensteinesque, on va appeler ça comme ça. Libère la vraie bête cette fois-ci. Je suis pas sûr qu'il y avait un limiteur sur la voiture de l'époque. On est au Mugello avec la Porsche 962C Longtail, ce qui signifie pour les moins anglophones de la bande, eh bien longue queue. Je vous explique dans quelques instants de quoi il s'agit. N'allez pas mettre ça sur Google, vous allez avoir des horreurs dans votre historique. Alors on a une voiture qui pas mal de puissance, hein. Ici on a 700 chevaux, je crois que c'est une des plus puissantes du pack avec la 919, hybride évidemment. On a toujours le soleil couchant. Ici on a une voiture qui est aussi bonne sans être forcément meilleure que ce que proposait le mode en fait. C'est ça qui est assez hallucinant, c'est que cette 962C version longue queue, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais déjà elle fait bien le café, elle est vachement agréable, on a vraiment l'impression d'avoir une groupe C ultra développée, ultra puissante entre les mains. Elle passe bien en courbe aussi. Alors que signifie long tail ? Longue queue en fait, c'était en fait une dénomination pour l'aérodynamisme de la voiture qui était adaptée pour les 24 heures du Mans, indépendamment du reste du championnat, ou sur les circuits rapides, ovales notamment, puisque en fait ça part du principe de rallonger l'arrière de la voiture. McLaren avait fait cela également, je pense que ça avait été fait par Matra aussi. Le but est tout simplement de rallonger la voiture pour avoir un empattement plus long et une meilleure stabilité dans les courbes et dans les moments de grande vitesse de pointe, ce qui était souvent le cas au Mans par exemple ou à Daytona. Et on avait des voitures absolument superbes avec ces longues queues, donc c'était toute la partie arrière qui était rallongée, plus longue donc. Et il y a dans ce pack Porsche deux versions de cette 962, celle-ci est donc la long tail, on testera la short tail pour simplement le plaisir de nos yeux et de nos oreilles dans la deuxième partie qui va suivre d'ici quelques minutes sur YouTube. En tout cas, on va vous laisser profiter d'un tour du Mugello avec cette voiture qui est assez convaincante, j'aime beaucoup, c'est plus le type de voiture que j'apprécie, donc de base je suis déjà friand du modèle, et en tout cas ça va vite, c'est racé, ça tient bien le parquet et ça passe la puissance au sol au dernier moment, c'est vraiment vraiment agréable, c'est vraiment magnifique ce bruit. Vraiment qui est assez spécifique à cette voiture, ce qui était le cas aussi par exemple un peu plus tard des Sauber ou de la 787B de chez Mazda, et son moteur rotatif ici c'est vraiment du pur
groupe C comme on l'aime. Voilà les amis, c'est sur les quelques images de cette 962C Longtail que je vous donne rendez-vous tout de suite sur la deuxième partie de ce pack Porsche qui nous fera découvrir le reste des voitures proposées dans cette deuxième extension. Je vous le rappelle tout d'abord, cette extension est disponible pour 6,99€ ou 15€ si vous prenez le Season Pass. Toutes les infos sont dans la description. Merci de votre attention et à tout de suite pour la suite.